Merci de nous accorder cet entretien exclusif avec le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COGEP, ancien ministre sous Laurent Gbagbo, ancien leader des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire. Le génie du Kpo est dans nos studios à Lomé. Bonjour, monsieur Blegoudé. Bonjour, monsieur. Et bienvenue surtout. Merci de nous accorder cette première sortie médiatique hors de Côte d'Ivoire depuis votre retour au pays. C'est un honneur pour moi d'être à Lomé ici et d'être sur ce plateau qui est le premier du genre. C'est vrai que j'ai accordé des interviews à des chaînes africaines, mais c'est la première fois que je me déplace comme ça dans un pays africain où je me retrouve sur un plateau de télévision qui plus est à Lomé où mes enfants étaient en exil. Et donc c'est un lieu très symbolique pour moi aussi. Avec vous, nous allons évoquer plusieurs sujets, votre mésaventure à la Cour pénale internationale, ces pays, le poids politique de votre parti, le COGEP, la nature de vos relations avec certains leaders politiques ivoiriens, notamment Laurent Gbagbo, le président Alassane Dramane Ouattara, le sort de Guillaume Soro, en exil lui aussi, la saga des coups d'État en Afrique de l'Ouest, la présidentielle de 2025, bien entendu. Mais commençons, Charles Blegoudé, par les circonstances de votre arrestation. C'était en 2013 au Ghana, votre Gethsémanie en quelque sorte, alors que vous étiez réfugié politique. Aujourd'hui, en voulez-vous encore au Ghana de vous avoir livré, de vous avoir lâché, de vous avoir trahi, Charles Blegoudé? Non, non, c'est un épisode qui est derrière moi et dont j'ai pas du tout envie de, sur lequel j'ai pas envie de m'attarder. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon parcours. Seulement l'Afrique doit s'interroger, doit se revoir. Quand on arrête un citoyen, on lui permet au moins d'avoir accès à un avocat. Cela fait partie de ses droits. Mes droits ont été violés, mais c'est un épisode qui est derrière moi. Nul ne peut échapper à son destin. Seulement, je veux que nos dirigeants africains revoient leur manière de fonctionner. C'est tout. Après cette arrestation, vous avez passé quelques mois à la Maca et ensuite... Non, pas à la Maca. 14 mois en détention, en isolement. Un isolement complet à la direction de la surveillance du territoire en Côte d'Ivoire. Et c'est après ces 14 mois que mon transfert et ma remise à la CPI a eu lieu. Justement, on va évoquer vos conditions de détention à la Cour pénale internationale. S'agit-il d'une prison ordinaire ou vous étiez en résidence surveillée ou en prison dorée, Charles Blegoudé? Non, d'abord, il n'y a pas de prison dorée. La prison, d'abord, c'est un lieu de privation de vos libertés, des mouvements. Mais particulièrement pour tous ceux qui, à un moment donné ou à un autre, ont pensé ou ont imaginé que la prison dans laquelle le président Laurent Gbagbo et moi, nous étions à la Cour pénale internationale, avec d'autres frères africains, de la Centrafrique, de l'Ouganda, de la RDC, ainsi du Mali, c'est une prison. C'est un bâtiment que la Cour pénale internationale loue au sein de la grande prison qui est à La Haye et qui est la prison de la Hollande. Et c'est une prison. Ce que je veux dire, même pour avoir accès à nous, vous traversez au moins 7 portails. J'ai bien compté 7 portails. À l'intérieur de la prison, c'est une prison où il y a trop de règles. Même pour acheter une orange, vous devez faire une demande écrite. Et vous aurez l'orange 8 jours après. On appelle ça la request form. C'est une demande que vous remplissez. Tout ce que vous devez acheter. Je vous dis, les cellules aussi, elles sont ouvertes à 7 heures du matin. Elles sont fermées à midi, pendant une heure. Elles sont rouvertes à 13 heures. Elles sont fermées ensuite à 17 heures, rouvertes à 18 heures, et puis finalement pour être fermées à 20h30. Vous êtes enfermé à 20h30, on vous ouvre le lendemain à 7 heures. C'était une prison comme toute autre. Donc ce n'était pas une prison dorée du tout, non, c'est trompe. Moi j'ai fait 11 fois la prison de Côte d'Ivoire depuis que j'étais étudiant. Donc je sais ce que c'est qu'une prison. C'était très difficile la Cour pénale internationale, je dois vous l'avouer.
Mais bon, je l'assume. De la Cour pénale internationale, vous avez tenu face au juge seul. Pourquoi avoir fait ce choix? D'avoir tenu face au juge. Seul, pratiquement. Oh oui, j'avais une équipe de défense. Et d'abord, vous savez que quand on fait la politique, c'est parce qu'on a une vision. C'est parce qu'on a des valeurs. C'est parce qu'on a des principes. Je crois en l'Afrique. Je crois dans ses valeurs. Et je ne suis pas complexé du tout, partout où je me trouve. Quand vous arrivez à la Cour pénale internationale, d'abord, on vous présente un registre qui contient la liste et les noms des avocats dits chevronnés et qui sont assermentés à la Cour pénale internationale. Moi, j'ai refusé tout ça. L'avocat qui m'avait été commis, à un moment donné, je me suis séparé de lui. Et puis, j'ai fait appel à mes camarades avec qui j'ai fait l'université d'Abidjan, Côte d'Ivoire, notamment Maître Ndri Claver, notamment Maître Jean-Serge Bougnon, avec qui j'ai fait la cité universitaire du Yopougon, Maître Zoku Seri, avec qui j'ai fait la cité universitaire de Yopougon. Et puis, Maître Kadji Josette est venue nous rejoindre après. Elle vient du Cameroun. Elle était volontaire. Je pense que c'était une manière pour moi de démontrer que l'Afrique est capable de se défendre là où elle est. Aujourd'hui, je suis fier qu'avec ces avocats qui m'ont défendu, je suis aujourd'hui devant vous, avec ma liberté. C'est ça aussi l'Afrique. Ce choix-là répondait à ma vision que j'ai pour l'Afrique. Le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Il faut croire en soi. Voilà. Et vous avez été acquitté, on ne va pas revenir sur les circonstances de ce procès, en 2019. Mais parlons plutôt de votre état d'esprit après votre acquittement, après les preuves de la Cour pénale internationale. Charles Goudet, le général de la rue, a-t-il laissé ses galons à la CPI pour devenir un ancien commandant de la rue? Ou le lion du Kpo est-il en train de sommeiller simplement? Parlons de la CPI, qui n'est pas la gendarmerie de Lomé, qui n'est pas le commissariat de Lomé, qui n'est pas le commissariat de Yopougon en Côte d'Ivoire. Je vous parle de la Cour pénale internationale, qui est la juridiction internationale. Je ne connaissais pas les juges. Il y a une image qui m'avait dévancé. Et la Cour pénale internationale avait cette réputation d'être avare en liberté, en libération. J'ai toujours eu foi que je sortirais de là. Et dès ma prise de parole, le 27 mars 2014, je l'ai affirmé au juge. On m'a dit que dans cette prison, quand on vient, on ne repart jamais. Mais je vous informe que je repartirai. Je n'ai pas dit que je souhaiterais que je repartirai. Je vous informe que je repartirai. Si je suis jugé selon ce que j'ai fait, eh bien, à la fin, j'ai été acquitté de toutes les charges. Je n'ai pas été élargi, je n'ai pas été toléré. Ce n'est pas un cadeau qu'on m'a fait. Je n'ai pas été mis en liberté parce que j'étais malade ou pour des raisons humanitaires. J'ai gagné mon procès sans avoir présenté un seul témoin. Je voulais ici féliciter tous mes avocats, féliciter tous les Africains et toute la diaspora africaine qui ne m'a pas lâché du tout. Est-ce que le lion, d'abord je ne suis pas un lion, je suis Charles Blegoudé, et le général de la rue dont vous parlez, il faut essayer de mettre tout dans un contexte, chers frères. La Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002 par des gens qui avaient des armes. Moi, j'ai fait le choix de la rue pour mobiliser les masses populaires, pour stopper cette rébellion-là, les mains nues. Vous voulez que 19 ans après, ou même, non, pas 19 ans, c'était en 2002, 21 ans après, je sois le même jeune homme avec la casquette noire? Non, non, non. Je suis politique maintenant. Je vise la conquête du pouvoir d'État. Donc, mon évolution n'échappe pas à l'évolution humaine elle-même. À chaque étape de votre vie, il y a un comportement, il y a une posture. C'est un président des partis politiques qui est assis devant vous. Ce n'est plus le président des jeunes patriotes qui est devant vous. Merci. Donc, après votre acquittement en 2019, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Après
beaucoup de péripéties en 2022. On va revenir sur les circonstances de votre retour au cours de cette émission. Mais vous disiez en rentrant que vous revenez au pays pour réconcilier les Ivoiriens entre eux. Je voudrais qu'on parle de ce processus de réconciliation. Où en est-on dans votre dernière adresse à la Nation? Vous étiez quelque peu sceptique. C'est un échec, selon vous, cette réconciliation entre les Ivoiriens? Non, du tout. Non, du tout. C'est un processus, comme vous-même vous le dites. Un processus veut dire que ça va s'étendre dans la durée. On ne sort pas d'une guerre comme on sort d'un dîner gala. La Côte d'Ivoire, le sang a coulé. Il y a eu beaucoup de victimes. Ça va prendre du temps pour panser ces plaies. Tout comme ça a pris du temps pour panser les plaies en Afrique du Sud, au Rwanda. Donc, ce qu'il faut ici, c'est d'inviter la classe politique, l'élite politique, à faciliter le rassemblement des Ivoiriens. Ce qui ne leur enlève pas leur idéologie ou leur vision politique. Parce que ce que nous faisons comme politique, nous faisons cette politique-là pour les Ivoiriens. Il faut qu'ils soient en vie pour profiter des différents programmes ou des différents projets de société pour lesquels nous nous battons. Moi, je suis en train de faire ma part. C'est vrai que j'ai été acquitté, mais mon pays a connu une guerre. Dès que je suis arrivé, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je suis allé pleurer avec ceux qui pleuraient. Je suis allé consoler ceux qui étaient tristes. Leur donner de nouveau le goût de vivre. C'est ce que je me suis imposé moi-même comme programme. Et je pense que les choses avancent. Aujourd'hui, je fréquente des gens qui n'étaient pas prêts à me serrer la main avant. Tout comme je suis allé dans des villes où des communautés se regardaient en chaîne de faïence. Aujourd'hui, grâce à mes passages, des gens se parlent aujourd'hui les uns les autres. C'est ça qui est important pour moi d'abord. Quand on aura cimenté cela, on peut maintenant dérouler nos projets de société. Ça ne fait pas de moi un homme faible. D'autres, certains disent, oh oui, mais il est devenu très faible. Je préfère être faible parmi des êtres qui ont la vie que d'être fort parmi des cadavres. Mais est-ce que cette réconciliation, vous pouvez la mener seul en face? Est-ce que vous pensez que ce processus est bien parti? Parce que beaucoup parlent d'une réconciliation, d'une justice des vainqueurs qui a été appliquée. Est-ce que ce n'est pas un frein à ce processus, justement? Moi, je parle de moi, de ce que je fais. D'abord, quelle est ma part avant de juger l'autre, l'institution? Je ne l'ai jamais caché. Dans mon dernier message, j'ai demandé au chef de l'État de prendre des décisions, des mesures vigoureuses pour fermer définitivement cette page triste de notre pays. C'est ce que j'ai demandé. Et je pense qu'il lui appartient de prendre en compte ce vœu de nos concitoyens. Et on attend. Mais je ne veux pas juger. Je fais toujours ma part. Et je rappelle ce qu'il faut faire. Il y a certains Ivoiriens aujourd'hui qui, relativement à la crise post-électorale de 2011, ce sont des militaires et autres, sont encore en prison. Mon souhait, c'est qu'on leur permette de regagner leur famille, pour qu'on puisse parler d'autres choses. Il faut que ces cicatrices-là soient fermées. Moi aussi, je vais vers les autres qui ne m'ont pas compris hier pour leur demander pardon. Winnie Mandela était victime de l'apartheid. Quand elle sort de prison, elle demande pardon. Quand son mari sort de prison, elle demande pardon. Je n'ai pas encore appris qu'on lui a demandé pardon à travers toutes mes lectures, mais ça ne l'empêche, ça l'a pas empêché d'être Winnie Mandela. Quand la commission Vérité et Réconciliation, en son temps dirigée par Desmond Tutu, est allée voir Winnie Mandela, elle a demandé pardon. Mais ça ne lui a rien enlevé. Au contraire, ça ouvre la porte à ce que les Sud-Africains se rassemblent. Aujourd'hui, c'est une grande nation. Ce qui a réussi ailleurs peut réussir ici. Au Rwanda, c'est la même chose. Les Rwandais ne parlent pas aujourd'hui en termes de Tutsi ou tout, parce qu'ils savent d'où ils viennent. Mon pays a touché le fond. Il faut que nos actes puissent participer à ce qu'on sorte la Côte d'Ivoire de là. Ensuite, on pourra dérouler nos projets de société. Sinon, on les déroule pour qui? Ceux pour qui on les déroule sont en souffrance. Donc, en tant qu'acteur politique, je fais ma part et puis j'essaie d'émettre des souhaits au chef de l'État. Parce que je ne peux pas non plus lui forcer la main. Tout ce que moi j'ai, c'est ma parole. Charles Blegoudé, pendant que vous tentez des rapprochements avec l'autre camp, les amis d'hier, on sent une forme de désunion. Simone et Laurent, Charles Blegoudé ou Laurent Gbagbo, pourquoi vous avez rompu avec votre ancien mentor Laurent Gbagbo? Non, vous vous trompez. Ne vous fiez pas aux rumeurs.
il y a les actes, il y a les faits et il y a les rumeurs. Moi, je n'ai aucun respect pour les gens qui jugent leur prochain à partir des rumeurs, alors qu'ils ont face d'eux les faits. Jamais sur un plateau de télévision, je ne parlerai de Dorang Gbagbo. D'abord, c'était mon leader. Ensuite, je dis, c'est mon père, je suis africain. Un Africain ne parle pas de son père publiquement. C'est vrai que depuis que je suis venu, on ne s'est pas encore vu. C'est le fait qu'aujourd'hui, il a un nouveau parti politique et il y a une nouvelle équipe autour de lui. Mais ça, c'est des choses dont on peut parler toujours. Les relations humaines évoluent. Donc, je suis très calme, je suis très serein. Je pense que la situation peut évoluer à tout moment. Donc, il n'y a pas de rupture. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'était quoi le point de rupture? Rien du tout. Mais je vous dis qu'il n'y a jamais eu de rupture entre Dorang Gbagbo et moi. Idéologiquement, c'est un homme de gauche, je suis de gauche. Seulement, certaines personnes n'arrivent pas à faire appel à l'histoire en regardant dans le rétroviseur. Ils disent que Blé Goudé a quitté le parti de Dorang Gbagbo. Mais je n'ai jamais été membre du parti de Dorang Gbagbo. Voilà la vérité. J'ai toujours été à côté et j'ai été un soutien. Dorang Gbagbo et moi, nous sommes liés. Nos dossiers ont été liés juridiquement parlant. Nous étions deux à la haie. Deux. On était liés. On a été acquittés ensemble. Deux. Après notre acquittement, nous deux, nous avons été condamnés à 20 ans, chacun, lui et moi. Pas personne, pas quelqu'un d'autre. Ensuite, tout récemment, nos deux noms ont été rayés de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Deux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vos destins sont liés. Donc nos destins sont liés. Le reste, c'est un des commentaires de quelques petits ambitieux à qui il ne faut pas prêter attention. C'est tout. Oui, il y a des symboles. Simone Gbagbo, par exemple, vous l'avez rencontré. On a vu l'enthousiasme avec lequel vous vous êtes retrouvé. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Dorang Gbagbo a changé de parti politique. Il y a de nouveaux collaborateurs. Voilà. Mais ça, ça ne peut pas être un problème. C'est parce qu'on aime personnaliser les débats. Parlons idées, parlons débats. Et moi, j'ai toujours refusé sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire de parler de ma relation avec le président Gbagbo. On m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à la haie? Mais rien ne s'est passé à la haie. Nous sommes partis, nous avons été acquittés. Et puis nous sommes revenus. Lui, avant moi, moi j'ai suivi. Maintenant, le reste des palissades me permettent d'avoir accès à lui. Un jour, ça va cesser. Moi qui suis devant vous. C'était peu qui croyaient à mon retour en Côte d'Ivoire. Je suis devant vous. À plus forte raison, un petit problème de rencontre entre deux personnalités qui se sont fréquentées, qui sont liées, ça va passer, il ne faut pas en faire un problème. Vous ne souhaitez pas parler de votre père sur un plateau de télévision. Je présume que vous parlerez de votre oncle sur un plateau de télévision, votre oncle Alassane Draban Ouattara, le président de Côte d'Ivoire. Je vais d'abord faire une précision sur cette appellation d'oncle. Parce que je ne sais pas si les gens lisent un peu. C'est une simple poignée de main entre François Mitterrand, l'ancien président français, et l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl. Une simple poignée de main qui a changé tous les rapports entre deux ennemis qui étaient la France et l'Allemagne, qui sont passés du face-à-face au côte-à-côte. Et aujourd'hui, on parle de couple franco-allemand, qui sont le socle de l'économie de l'Union africaine, européenne. Une seule appellation peut changer les choses. Donc, vous savez très bien que moi, je suis bêté, le président Alassane Ouattara a dit non, il ne peut pas être mon oncle. Mais j'ai lancé cette phrase parce qu'au sorti de leur rencontre entre le président Gbagbo et lui, ils se sont appelés frères. Pour moi, je dis le président Gbagbo est mon père. Pour Alassane Ouattara est son frère. Ce qu'ils se sont dit, je dis mais donc, c'est que c'est mon oncle. Le frère de votre père, c'est bien votre oncle, non? Je n'ai rien inventé. Ça ne fait pas de moi un partenaire du pouvoir d'Abidjan. Justement, non. Je pense que les gens font beaucoup d'erreurs. Et ils se focalisent sur ce que j'appelle tout ce qui est périphérique. Ils laissent de côté l'essentiel. Mais certains disent que vous avez conclu un deal avec le président Alassane Ouattara. Mais il faut qu'il me sorte maintenant les clauses de ce deal. Quelqu'un avec qui vous avez fait un deal, vous ne le condamnez pas à 20 ans. Quelqu'un avec qui vous avez fait un deal, vous ne gelez pas ses comptes.
Quelqu'un avec qui vous avez fait un deal, vous ne rayez pas son nom de la liste électorale. Un deal est un contrat synalagmatique, juridiquement parlant. Un contrat duquel chaque partie tire profit. Quel est mon profit, moi? On ne me dira pas que c'est parce que je suis venu en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Tous ses partisans sont en Côte d'Ivoire. Sont-ils venus en Côte d'Ivoire à partir d'un deal? Il faut arrêter de distraire les gens et puis nous distraire de l'essentiel des problèmes des Ivoiriens. Les Ivoiriens nous attendent sur nos projets de société. Les Africains nous attendent sur le positionnement que nous voulons faire de notre continent. Et avec vos présidents, est-ce que vous parlez? Quelle est la nature de vos relations avec Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui? Ce sont des rapports entre opposants et partis au pouvoir. Mon parti n'a aucun lien, aucune alliance avec le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire du tout. Tout récemment, le 26 novembre dernier, en 2023, quand nous avons voulu célébrer l'an 1 de mon retour, ce meeting a été empêché par le pouvoir d'Abidjan. Pendant que d'autres formations politiques qui disent ne pas avoir de deal avec le pouvoir d'Abidjan, on les a laissés faire ce qu'ils ont envie de faire en politique. Ils ont fait leur rassemblement. Le mien a été empêché. Moi, qu'on dit être en deal avec le pouvoir, mais les faits vont toujours venir les distraire et les exposer. Voilà ce que je veux dire. Et merci de nous suivre pour cet entretien exclusif avec Charles Blegoudé, le président du COGEP. Si vous nous suivez en différé sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de liker cette émission et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos programmes. Et surtout, partagez cet entretien exclusif, le premier du genre du leader du COGEP après son retour en Côte d'Ivoire, entretien hors de son pays. Je voudrais qu'on parle maintenant d'un ancien ami ou d'un ami, Guillaume Kigbafori Soro, en exil aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler une petite circonstance. En son temps, quand vous étiez en exil, il vous demandait de ne pas jouer au fugitif et de rentrer au pays pour faire face à la justice. Aujourd'hui, que dites-vous de son sort? Est-ce que vous en riez ou vous en pleurez? Mais avant, toujours l'histoire africaine nous enseigne dans nos lectures. Lorsque Nelson Mandela sort de prison, les jeunes de l'ANC lui disent, mais Madiba il a changé, mais Madiba, il a conclu un deal avec les Blancs. Il y en a qui disaient que Madiba a trahi la lutte. Mais ce que Mandela voulait, c'était le bonheur des Sud-Africains. Martin Luther King aux États-Unis se battait pour le droit civil des Noirs. On disait que le système blanc lui avait offert des cardiaques et qu'il avait trahi la lutte. Mais c'est Martin Luther King qui s'y battait. Donc la plupart des leaders, il y a toujours des légendes qui sont inventées autour d'eux. Ce qu'il faut faire, jugez-les à partir de leur démarche, jugez-les à partir de leurs actes. Le reste, c'est des gens qui ont envie de s'amuser. Tout ce que je leur dis, ils ne sont pas obligés de nous associer à leur amusement. Ils peuvent aller s'amuser ailleurs, parce qu'on est au sérieux. On parle de la vie d'Ivoirien, on parle de la vie d'Africain. Un continent qui a tout, qui vit sur un sol riche et dont les populations sont pauvres. C'est d'abord la précision que je voulais faire. Parlant de Guillaume Soro, je pense que la situation qu'il vit, elle est difficile parce que moi, je l'ai déjà vécu. Je ne vais pas tirer sur une ambulance. Tout ce que je souhaite, c'est qu'un cadre de dialogue soit créé pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire, pour lui aussi faire sa part dans ce processus de réconciliation. C'est tout ce que j'ai toujours souhaité. Maintenant, ce qu'il a dit pendant que moi, j'étais en prison, je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, je ne suis pas un revanchard. Voilà, je ne suis pas un revanchard. Ça, c'est lui. Moi, je suis Charles Blegoudé. Je vois un Ivoirien qui est en difficulté, qui veut rentrer chez lui. Il a exprimé clairement tout ce que je peux faire quand j'ai droit à un micro. C'est de souhaiter qu'un cadre soit créé. Parce que j'ai toujours souhaité que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire rentrent en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent vivre calmement. Le reste, je ne vais pas faire trop de commentaires. Mais le retour de Soro en Côte d'Ivoire, c'est un élément clé pour la réconciliation nationale des Ivoiriens? Non, je ne parle pas en termes d'éléments clés ou pas. Je dis, tout comme lui, beaucoup d'Ivoiriens sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui ont envie d'entrer, certains qui ont peur, d'autres qui ont eu d'autres habitudes à l'extérieur, d'autres qui sont en prison. Je souhaite qu'on tourne cette page pour mon pays. Mon pays a besoin de souffler, d'oublier ce moment difficile. Voilà. Donc ce n'est pas un cas particulier dont je parle. Je parle globalement de ce qu'on doit faire pour qu'on tourne cette page. C'est mon souhait. Le Rwanda est passé par là. L'Afrique du Sud est passée par là. Même l'Europe est passée par là. C'est sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale que l'Europe a été bâtie.
Je pense qu'on peut y arriver aujourd'hui. Je vous ai pris tout à l'heure le cas de l'Allemagne et de la France. L'Allemagne a occupé la France. Mais aujourd'hui, ils ne se regardent plus en chaîne de faïence. Ils sont ensemble pour construire. Donc il y a un moment pour se battre. Il y a un moment pour parler paix. Voilà. Il ne faut pas toujours chercher à avoir raison. Il faut chercher la paix. C'est le fait de chercher forcément à avoir raison sur l'autre qui est à la base des conflits. Moi, je souhaite qu'on tourne cette page pour mon pays. La Côte d'Ivoire est un pays qui est important en Afrique de l'Ouest. Regardez autour de nous. Regardez autour de nous. Je souhaite que la Côte d'Ivoire ne sombre pas. Et c'est pourquoi je me bats pour ne pas être belliqueux. C'est pourquoi je me bats pour être un pont. Voilà. C'est pourquoi je me bats pour être l'aiguille qui va recoudre ce qui a été déchiré. C'est la mission que je me suis librement donnée. Ouvrons le chapitre de votre parti politique maintenant, le COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Panafricain, hein. Vous êtes dans l'ère du temps, Charles Blé Godet. Je ne parle pas en termes de l'ère du temps. Peut-être que nous sommes nombreux à parler de panafricanisme aujourd'hui et à agir. J'ai été sanctionné par l'ONU. En 2005-2006. Pour l'incitation à pour avoir pris un matelas pour aller devant le 43e Bima, qui est la base militaire française en Côte d'Ivoire. En ce moment, beaucoup d'Africains ne me comprenaient pas. Dans beaucoup d'Africains, on me traitait de petits voyous et autres. Donc, je ne suis pas dans l'ère du temps. Beaucoup m'ont rejoint, toute modestie mise à part. Donc, pour moi, c'est bien. Quand vous avez commencé un combat, que j'ai pris moi aussi en cours, parce qu'il y a nos pères qui l'ont commencé, je parlais de Kwame Nkrumah, je parlais de Patrice Lumumba, seulement aujourd'hui. C'est Olympio. Olympio. Donc je pense que aujourd'hui, Thomas Sankara aussi, je pense que il faut que l'Afrique comprenne qu'elle peut être le pôle. Tout le monde dit que l'Afrique est une terre d'opportunités. Est une terre d'avenir. Le contraste, c'est que tout le monde y croit, sauf les Africains, qui tendent toujours la main ailleurs. Ils veulent quitter un maître pour aller chez un autre maître. L'Afrique a-t-elle forcément besoin de maîtres pour exister? Il nous faut juste un petit peu d'estime de soi et valoriser ce que nous sommes et ce que nous avons. Dans le seul intérêt de l'Afrique, en étant ouvert sur le reste du monde. Telle est ma démarche. Est-ce que c'est une question de quitter un maître pour un autre ou de nouer des alliances stratégiques? Si vous aviez, vous, à l'époque, à vos côtés, un partenariat russe, est-ce que moi, je n'ai vous pas n'auriez encore pas sauvé votre moi, je n'ai pas encore parlé de la Russie. Je n'ai pas encore cité des noms sur ce plateau. Donc, ce que vous dites, vous en portez l'entière responsabilité. J'ai seulement dit qu'il faut que l'Afrique évolue selon ses propres paradigmes. Ça n'empêche pas à l'Afrique de signer des partenariats gagnant-gagnant. Évoluer dans une trajectoire de multilatéralisme. C'est cela que je veux. En conservant notre culture, en valorisant ce qu'on a, en ne confondant pas amis et partenaires. Le partenaire est là pour son intérêt et doit respecter les vôtres. C'est cela qui doit être la démarche de l'Afrique. Pourquoi en son temps vous n'avez pas signé ce type de partenariat qui aurait pu sauver votre peau? Moi, je n'ai jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Mon pays a été attaqué, il y avait un président, il y avait un gouvernement qui était là. J'étais étudiant en 2002. Un étudiant ne signe pas de partenariat au nom de son pays. J'ai mis en place une société civile qui a dit non aux armes, qui a dit oui à l'alternance par les urnes. Je n'avais aucune responsabilité politique, ni administrative, ni étatique qui pouvait me permettre de signer un partenariat. Ce n'est pas juste pas vrai. Donc, ne confondez pas les époques. Ben vous avez j'ai été ministre. Non. Vous aurez j'ai été ministre inspirer. En 2011, s'il vous plaît. J'ai été ministre en 2011. J'ai été nommé ministre en 2011, en janvier, je crois, 2011. J'étais ministre en décembre 2011, pardon. Écoute, à partir de là, 3 mois après, notre gouvernement a été chassé. On ne signe pas un partenariat en 3 mois. C'est ce que je vais vous dire. Donc, ne confondez pas les époques. Je veux que ceux qui nous écoutent sachent très bien que Charles Blé Godet était étudiant en 2002. Il a écouté les battements patriotiques de son cœur. Il est venu voler au secours de son pays, comme d'autres le font aujourd'hui. Je n'ai rien fait de différent. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de nous mettre ensemble
autour de notre continent qui est l'Afrique. Et comprendre que la main qui donne est la main qui ordonne. Celui qui t'entretient, il te tient. Évoluons selon nous-mêmes, évoluons selon nos propres paradigmes et puis positionnons-nous. Ceux qui viennent vers nous ne sont pas des philanthropes. Mais, Qui qu'ils soient, ceux qui viennent vers l'Afrique, ils viennent pour prendre, pour aller exister, pour aller compter aussi là où les décisions se prennent. Donc l'Afrique d'abord selon vous. Et quel est le poids politique du COGEP en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Le COGEP est un parti en construction et nous n'avons pas honte. Son leader n'était pas là pendant 12 ans. En Afrique, les partis politiques comptent à 90% sur leur leader. Je n'étais pas là. Le parti en construction, nous prenons notre temps. Nous n'envions personne. Nous prenons notre temps pour tisser un lien avec le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, vous verrez d'ici quelques années le poids du COGEP. Et les différents leaders que sont Oufo Boigny a pris le temps pour construire le PDCIRDA. Le président Gbagbo a pris le temps pour construire son parti, en son temps. Le président Ouattara a pris son temps pour construire son parti. Nous prenons notre temps pour construire notre parti. Nous n'avons aucun complexe face à qui que ce soit. Et nous n'allons pas courir pour aller dans des partenariats qui vont nous noyer. La plupart de ceux qui courent tout de suite après les alliances, c'est ceux-là qui ne représentaient rien. Quand le vent souffle, c'est les feuilles mortes que ça emporte. Le COGEP n'est pas une feuille morte. Regardez, suivez-moi, vous verrez. Donc vous n'êtes pas prêt pour la présidentielle de 2025? Non, ça n'a rien à voir. Une présidentielle, c'était un rendez-vous entre une personnalité politique et un peuple, dans des circonstances données. Je précise, dans des circonstances données. Nous sommes en 2024, nous nous préparons, nous lisons le tableau politique, nous suivons l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes presque vers la fin de l'existence d'une génération politique. Le moment viendra où notre génération va sur les plateaux, venir dérouler les projets qu'ils ont, l'offre qu'ils ont pour les peuples. Et puis bon, les Ivoiriens jugeront. Êtes-vous candidat pour 2025? On n'en est pas encore là. Seulement ce que je dis et je répète sur vos plateaux, 2025 ne se passera pas sans moi. Je le répète encore et je vous regarde droit dans les yeux. 2025 ne se passera pas sans moi. Si un aveugle vous menace de vous lancer des pieds, c'est qu'il a les pieds sur un caillou. Quel est votre caillou? Quand on emprunte un chemin après un éléphant, on ne craint pas d'être mouillé par la rosée. J'ai fait du chemin, les Ivoiriens me connaissent, je les connais. Je n'annoncerai pas une candidature électorale à la présidence de mon pays depuis le Togo. La première cible, ce sont les Ivoiriens. C'est avec eux que je parlerai. On n'en est pas encore là. Vous demandez si j'ai un caillou sur mon pied sur un caillou. Le seul caillou sur lequel j'ai un pied, c'est mon histoire avec la Côte d'Ivoire. C'est mon histoire avec les Ivoiriens. J'ai traversé des mers agitées, des océans agités avec eux. Maintenant que nous allons traverser une rivière calme, je pense que ce n'est pas là qu'ils vont douter de moi. Mais comment ferez-vous alors que vous n'êtes pas éligible? Vous n'êtes pas sur la liste électorale? Je ne suis pas en train d'annoncer une candidature à une présidentielle. Ces débats-là auront lieu au moment opportun. J'ai toujours considéré ma condamnation à 20 ans comme une décision politique. Et je souhaite, et je me bats comme je peux, même si vous n'entendez pas de bruit, qu'une solution politique soit trouvée. Vous savez, en ce qui concerne cette question, j'ai fait moins de bruit. Ce sont les arbres qui tombent qui font du bruit. Sinon, la forêt pousse en silence. C'est pourquoi je vous dis que je n'ai pas de crainte. Le moment venu, on parlera de ce débat. Et je ne suis pas en train d'en essayer une candidature ici, depuis le Togo, parce que ce serait être irrespectueux envers le peuple de Côte d'Ivoire. Les premiers à qui je dois annoncer une candidature quand j'en prenais la décision, c'est d'abord les Ivoiriens. Quand je me déplace pour aller en Afrique, nous parlons Afrique. Nous parlons de l'avenir de l'Afrique. Nous parlons du positionnement de l'Afrique. Voilà. Justement, l'Afrique qui est secouée ces dernières années par une saga de coups d'État, surtout en Afrique de l'Ouest, quelle est l'explication de Charles Blé Goudé par rapport à ces événements, différents événements? Au-delà des coups d'État, il faut toujours poser les problèmes, et les vrais problèmes. Il faut se poser les vraies questions. D'abord, préciser mon principe de vie politique. Je crois au changement par l'alternance à travers les urnes. Jamais je vais associer mon nom à la loi des armes. Je souhaite que cela soit très clair. Cela dit, depuis un moment,
la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, maintenant le Niger. La question, c'est à qui le tour demain. Mais la vraie question, c'est ceux qui sont à la tête de ces changements dans leur pays par les armes, qu'est-ce qu'ils rejettent? Qu'est-ce qu'ils contestent? Parce que quand vous lisez le tableau politique des raisons de ces coups d'État, ce ne sont pas les mêmes raisons. En Guinée, c'était un troisième mandat. Au Mali et au Burkina Faso, c'est le terrorisme. Au Niger, c'est toute une raison. Entre un président qui venait à peine d'être élu et son armée, son aide de camp, son chef d'état-major, qui estimait que le président les humiliait avec sa trop grande proximité avec l'Occident. Tout cela mis dans le panier nous invite à une analyse, à un diagnostic. Qu'est-ce que tous ces jeunes gens-là rejettent? Il faut revoir les pratiques. Il faut revoir le contrat entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs. Il faut revoir tout cela. Parce que l'Afrique a changé. Les mentalités ont changé. Les besoins ont changé. Les hommes ont changé. Beaucoup a changé. Il faut maintenant s'adapter. Cesser le mépris. Cesser le paternalisme que les gens rejettent. Discuter avec eux. Et puis, instaurer un partenariat gagnant-gagnant. Ça nous évitera les conflits inutiles. Pour le faire, on n'a pas besoin de se bander les muscles. Pour le faire, on peut s'asseoir avec nos partenaires qui doivent aussi prendre en compte les intérêts de nos peuples. Les laisser choisir librement leurs dirigeants, leurs gouvernants. Il n'y a pas de démocratie pour l'Europe et de démocratie pour l'Afrique. La démocratie a des règles universelles. Je pense que j'appelle tout le monde, les dirigeants européens, les dirigeants africains, à ce qu'on s'asseye et qu'on puisse revoir les copies de ce qui avait été signé par nos grands-parents. Aujourd'hui, nous sommes là. Nos besoins d'aujourd'hui ne sont plus les besoins d'hier. Les mentalités d'aujourd'hui ne sont plus les mentalités d'hier. Quand le rythme du tam-tam change, il faut changer sa manière de danser. Merci. Donc pour vous, la solution ne réside pas dans les sanctions, par exemple, imposées par la CEDEAO au peuple du Niger et au Niger. Mais si les sanctions réglaient les problèmes, Cuba aurait disparu de la carte du monde. Si les sanctions réglaient les problèmes, l'Iran aurait disparu de la carte du monde. À un moment donné, il faut essayer d'interroger l'efficacité de ce qu'on apporte comme solution au problème. Moi, je pense qu'il faut revoir les choses. Il faut s'asseoir et discuter. Ne pas forcément chercher à avoir raison sur l'autre. Ne pas forcément chercher à piétiner l'autre. Il faut l'écouter. Voilà. Est-ce qu'on peut mener ce genre de dialogue quand nous avons des institutions comme l'Union africaine, la CEDEAO, que vous qualifiez dans un de vos discours de succursale de l'Occident? Il faut interroger les raisons qui ont milité en faveur de la mise en place de ces organisations sous-régionales ou régionales. La CEDEAO a été mise en place pour quoi? On parle de libre circulation des biens et des personnes, n'est-ce pas? Moi, je suis venu avec mon technicien. C'est vrai que moi, je suis venu en avion. Je lui ai dit de prendre la route. Je voulais voir si 12 ans après, les choses avaient évolué. Rien n'a évolué. Comment pouvez-vous comprendre que dans une communauté économique qui parle de libre circulation des biens et des personnes, il y a une frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Frontière à laquelle on contrôle vos pièces. Frontière à laquelle vous devez payer des taxes avant de traverser. Dans une communauté économique. Vous ne circulez pas librement donc. Ensuite, entre le Ghana et le Togo, entre le Togo et le Bénin, entre le Bénin et le Nigeria, et on évolue. J'ai été en Europe, tout récemment. Nous avons pris les véhicules, mes amis et moi, parce que je voulais faire le circuit que ceux qui me soutenaient avaient l'habitude de faire. Comment ils partaient de Paris en voiture jusqu'à La Haye. De la France en Belgique, c'est juste une pancarte qui vous montre que vous avez changé de pays. Juste une pancarte. Aucun policier, aucune barrière policière, aucune barrière douanière. Ensuite, de la Belgique à la Hollande, pas de frontières, pas de barrières.
De la Hollande en Allemagne, jusqu'en Suisse. C'est juste au niveau de la Suisse que vous trouverez une barrière douanière, parce que la Suisse est certes dans le Schengen, mais n'est pas dans l'Union européenne. À quand la fin des barrières physiques entre nos pays? C'est ça la vraie CEDEAO, ce n'est pas les sanctions. La CEDEAO est créée pour qui? Pour les peuples ou pour les dirigeants africains? Voici les questions que je me pose. Ce sont des questions tout de même légitimes, chers messieurs. La CEDEAO ne doit pas apparaître seulement quand il y a un coup d'État. On crée les organisations pour impacter, pour améliorer la vie des concitoyens. Ils sont des politiques, ils sont des hommes d'affaires. Il faut que l'Afrique puisse maintenant avoir des règles communes au niveau des affaires, au niveau économique. Des lois communes. Ils puissent faciliter, les accords commerciaux. Quand vous allez en Allemagne, vous ne trouverez pas de règles au niveau commercial différentes des règles de la France. Donc vous ne pouvez pas vous appuyer sur la France pour pouvoir dominer l'Allemagne. Ils évoluent en équipe, ils évoluent en groupe, ils conjuguent leurs efforts, ils mutualisent leurs efforts. Il faut laisser de côté les Afriques et fonctionner dans l'Afrique. L'Afrique, c'est cette entité qui a une histoire commune. C'est cette entité qui a une communauté de destin. C'est à cela que j'appelle. Je ne suis pas là forcément pour juger seulement la CEDEAO, mais j'appelle à une prise de conscience. Sans rejeter le reste du monde avec lequel nous devons avoir des partenariats, il faut que l'Afrique se prenne elle-même au sérieux. Arrêtons d'être le fardeau du reste du monde. Et je dis. Charles Blegaudet, nous tirons vers la fin de cet entretien, mais je voudrais qu'on aborde un grand événement que votre pays accueille, c'est la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023 ou 2024, selon. D'abord, la Côte d'Ivoire qui accueille une telle compétition dans une ferveur, une liesse, ça veut dire que votre pays est totalement guéri de son passé? Non, mais nous, on utilise ce qu'il y a comme levier pour pouvoir positionner la Côte d'Ivoire aussi. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui célèbre un événement sportif. C'est l'Afrique qui démontre au reste du monde qu'on est capable d'organiser un événement sportif. Parce qu'après la Coupe d'Afrique, on appellera un jour à organiser la Coupe du Monde aussi. Parce que l'Afrique est dans le monde. Et l'Afrique est de ce monde. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'Ivoirien, je suis fier que mon pays accueille cette compétition. Je peux vous dire que nous sommes prêts, nous nous organisons à accueillir nos frères qui viennent. J'ai toujours lancé un appel. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique du gouvernement d'Abidjan. C'est la Coupe d'Afrique que toute la Côte d'Ivoire organise, mais qui accueille le reste du monde, qui accueille l'Afrique. Parce qu'au-delà de l'Afrique, il y a aussi des amoureux du ballon rond qui viendront du reste du monde pour venir en Côte d'Ivoire pendant au moins 3 semaines. Mon souhait, c'est que tous ceux-là soient accueillis à l'africaine. En Afrique, nous sommes hospitaliers. L'étranger est roi chez nous. Et j'appelle donc à cette solidarité africaine pour que cette coupe se passe sans heurte. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui parle, c'est l'Afrique qui accueille. Et maintenant, sur le terrain, les éléphants de Côte d'Ivoire, ce n'est plus... Ah non, là, il n'y a pas de débat. Il faut bien que les éléphants de la Côte d'Ivoire confirment leur suprématie sur le sport footballistique en Afrique. Vous n'avez plus de Gadji Seli, vous n'avez plus de Didier Drogba, vous n'avez plus de Yaya Touré. Est-ce que les joueurs que vous avez aujourd'hui peuvent compétir et vous rapporter la Coupe? Quand la France a pris la Coupe du Monde il y a quelques années, c'était sans Zidane. C'était avec des jeunes gens qui n'étaient pas connus trop, mais que la Coupe a révélé. Je pense qu'il y a encore des talents en Côte d'Ivoire. On n'a pas de Didier Drogba, c'est vrai, mais ils sont là pour encadrer les enfants, les jeunes frères. Et je pense qu'il faut faire confiance en cette équipe, il faut la pousser jusqu'au bout. Et je pense qu'elle sortira d'elle-même et cette Coupe restera en Côte d'Ivoire. Charles Blegoulet sera sur un des terrains de jeu? Je serai sur tous les terrains. Et là, je serai à la cérémonie d'ouverture d'abord. Et puis ensuite, il y a le terrain de San Pedro, de Yamoussoukro. Et je serai, je ferai le tour. Il y a aussi le terrain de Peut-être Korogo. Peut-être à Boaké aussi. Je serai à Boaké. Je vais regarder au moins un match sur chaque terrain. Parce que la Côte d'Ivoire est une indivisible. Merci Charles Blegaudet pour nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Nous souhaitons une bonne heureuse année pour vous et pour votre parti, le COGEP. Surtout un bon séjour ici à Lomé. Je voudrais saluer tous les Togolais et à travers eux toute l'Afrique. Je suis fier d'être ici à Lomé. Et partout où je me trouve en Afrique, je me trouve chez moi. Je suis content d'être là. Merci. Merci.
Nous arrivons donc à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne Niveau d'Info.